mission TV, le miroir du monde. La Cour en a donné acte à l'Assemblée nationale sous la signature de sa présidente, Mme Mabunda, et la Cour a ordonné la suspension des poursuites. Ne parlons pas d'acquittement puisqu'on n'a pas encore examiné le fond de la cause. Ce que l'Assemblée a demandé, c'est que la Cour suspende les poursuites ainsi que la détention. La Cour a dit pour droit que Jean-Jacques Mamba était d'office relaxé et que les poursuites étaient suspendues. Ma mission TV, le miroir du monde. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais, afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Tshamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limété. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Tshamala a dans sa jus vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon les coques, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un nom en droit de chrétien catholique, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ses effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités, c'est-à-dire là on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçu, vous nous avez vu avec lui, je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Tshamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Eux, vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira,
Que le fruit de ses affaires, de ses travaux, continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. Mission TV, le miroir du monde. Changement, il y aura changement de la composition parce qu'un membre est parti. Le remplaçant sera désigné par le tribunal, le numéro 1 du tribunal. Et à l'audience qui va suivre, on va commencer par lire le procès-verbal pour éclairer la religion du nouveau membre. Et puis la procédure continue. Voilà, merci. Cette audience a consisté simplement à réceptionner la demande de suspension de poursuites et de la détention introduite par l'Assemblée nationale. La Cour, après avoir trouvé donc dans son dossier cette demande de l'Assemblée nationale, s'est retirée pour aller en délibérer. Le délibéré a pris plus de 2 heures, 3 heures même. La Cour est rentrée, vient de constater que la demande de l'Assemblée nationale est conforme à la Constitution. La Cour en a donné acte à l'Assemblée nationale sous la signature de sa présidente, Mme Mabunda. Et la Cour a ordonné la suspension des poursuites et de la détention que subit notre client, l'honorable Jean-Jacques Mamba. Vous parlez de la suspension, mais à quel moment elle reprendra? À la fin de la session en cours, la session parlementaire. Donc il n'est pas encore sorti de l'affaire? Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore libre. Ne parlons pas d'acquittement puisqu'on n'a pas encore examiné le fond de la cause. Ce que l'Assemblée a demandé, c'est que la Cour suspende les poursuites ainsi que la détention, puisque le député poursuivi est en détention. C'est ça. Et donc dès ce soir, il quitte la résidence. Tout de suite, à la seconde où le président de la Cour a prononcé son arrêt, notre client est libre. Okay. On peut avoir un Lingala, un petit résumé à Lingala, c'est possible. Une responsabilité comme juge de fond, et on s'est dit, dans la ligne où vont les choses, si les juges adoptent la même attitude, on aura ensemble, avec l'action des juges et l'action citoyenne, à construire un état des droits constitutionnels. Non, mais l'affaire n'est pas encore totalement close à partir du moment où il s'agit de suspension des poursuites. En fait, c'est une mesure provisoire qui a une durée minimale. Sa durée ne peut pas dépasser la durée de la session. Et après la session, nous sommes en train d'affûter les armes pour voir comment rebondir dans ces procès. Mais l'espoir est là parce que le dossier, au fond, est vide. Il n'y a pas d'éléments qui peuvent attester à suffisance qu'il y a eu faux en écriture. Il n'y a pas non plus d'éléments qui peuvent attester à suffisance qu'il y a eu flagrance. Parce que pour qu'il y ait flagrance en droit positif congolais, dans le cas d'un parlementaire, il faut qu'il y ait 3 éléments. En fait, la possibilité d'une commission instantanée d'une infraction,
ou d'une commission d'une infraction qui vient de se commettre, ou lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est porteuse des effets, des matériels, des papiers, d'armes qui attestent à suffisance que la personne a été auteur, co-auteur de la commission d'une infraction et pourvu que cela s'efface ou se cristallise dans un temps voisin de la commission de l'infraction. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas eu flagrance, il n'y a pas eu faux en écriture parce que le faux en écriture, après analyse de l'Assemblée nationale en comité des sages, nous nous sommes réalisés qu'il n'en était rien et que Biana Toumba n'a avancé que des allégations sans que celles-ci ne soient soutenues par des éléments probants. Alors, honorable, après la suspension de cette audience, nous avons remarqué une petite manœuvre. Comment interprétez-vous cette manœuvre? Non, il n'y a pas de manœuvre ici. Que les choses sont claires et la clarté est tellement limpide et indiscutable, de sorte que l'arrêt de la Cour a dit pour droit que Jean-Jacques Mamba était d'office relaxé et que le poursuite était suspendue et en même temps la détention l'était aussi. Donc c'est conformément à l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation et conformément à l'article 101A de notre règlement intérieur. Donc c'est une forme de bémol au principe de la séparation de pouvoir. Ce n'est pas une invention jurisprudentielle. Le juge n'a fait que la lecture du texte, il a appliqué le texte et le ministère public ne l'a pas contredit effectivement à son réquisitoire. Le ministère public a corroboré la démarche du juge de sorte qu'il n'y a pas eu contradiction et le juge a accédé à notre demande. Et si jamais l'honorable Mpiana retirait sa plainte? Non, mais le retrait de la plainte est inopérant en droit positif congolais. Il peut ne pas retirer parce que dans le cas d'espèce, c'est depuis lui la partie poursuivante. C'est le ministère public qui est la partie principale au procès. Mais le ministère public a été mis en déroute. Vous l'avez observé. Et donc, il y a plus d'espoir dans l'avenir que de déception. Donc, le procès de Jean-Jacques Mamba aujourd'hui inaugure de manière assez claire, petit à petit, l'avancée sous le plan de l'état de droit et sous le plan de la démocratie. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridon Leyambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Tchamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Tchamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Tchamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Quand la cour est déjà prononcée, vous laissez la personne. Attends, attends. 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 Attends, attends.
On n'est pas à chambre de conseil. On fait L'arrêt prononcé en présence du ministère public. Exécutoire. En présence du ministère public. Papa, c'est pas en chambre de Je ne parle pas de son arrestation. Oui, c'est ça. C'est d'autres choses. Je me demande maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Quel est le... Nous, on est en train de parler. C'est la même question qu'on a posée. Non. C'est après la rallye, l'arrêt. Papa, d'abord, tant que vous voyez, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez Je
dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais, afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Tshamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limété. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Tshamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon les coques, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un nom en droit de chrétien catholique, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, en déposant ses effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a réussi. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Tshamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Eux, vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vienne de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ses gestes. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Mbongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Tshamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement. Et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Tshamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Tshamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis.
Ma Mission TV, le miroir du monde.